今日は金曜日ということで、金曜日はナンポルトキ。今日の司会は私ラミア・クロス、そしてマイギタリストのファーブ&かわいいコーラスギャル、ラチームコギャルのキツネちゃんと一緒です。よろしくどうぞ。Alors, on commencera l'émission par une critique de jeu d'un RPG qui sort sur Xbox 360. D'une nouvelle émission qui s'appelle Pixa. Et des sorties des mangas et animés. Mais d'abord, les news. Le week-end du 31 janvier 2009 se déroulait le concours de la Global Game Jam dans le monde entier. L'École nationale du jeu et des médias interactifs numériques, basée à Angoulême, participait à l'événement. Cette année, ont été organisées par les gens de l'IGDA, l'Association des développeurs de jeux vidéo international, un concours qui s'appelle la Global Game Jam. Ce n'est pas vraiment un concours, comme c'est un game jam, c'est-à-dire on se met tous ensemble pour faire du jeu. Et donc pendant 48 heures, de vendredi soir à dimanche soir, sans s'arrêter, des équipes font des jeux vidéo dans 45 sites qui représentent une trentaine de pays. Chaque pays démarre en fonction de son fuseau horaire. On a des contraintes qui sont un peu différentes par fuseau horaire, de façon à ce que les gens ne puissent pas commencer à l'avance et que les Américains ne soient pas les derniers à démarrer. Ici, on a, en France, il y a deux sites qui ont accepté la Global Game Jam. C'est la société Make and Sleep à Paris, et ici à l'École nationale du jeu. Et je pense que les jeux seront tous montrés à la GDC à San Francisco au mois de mars. C'est la première fois qu'on travaille en commun, enfin, plutôt à proximité des autres écoles du jeu vidéo. C'est vrai que Super Info Game est à Valenciennes, nous on est à Angoulême. À part pour des concours justement où on a plutôt tendance à s'affronter dans un bon état d'esprit, ici on est pour la première fois regroupés ensemble, on a mis au point des idées ensemble, on échange aussi, on discute de nos formations, de comment ça se passe, et c'est vraiment sympa. Alors en fait, il y a quatre groupes qui se sont formés, donc chacun a choisi un concept de jeu différent. On a un impératif, un sujet, des grandes lignes, qui sont tant que nous serons tous ensemble, nous ne serons pas à court de problèmes. Voilà, c'est la phrase d'inspiration qui, si ma mémoire est bonne, a été lancée par l'un des créateurs de World of Go. Donc on essaie tous de trouver un moyen de faire ressortir cette idée dans différents concepts. Ça, faut pas s'attendre à des triple A, mais ça sera des petits jeux sympas qui permettront de s'amuser au moins pendant 5 minutes. Avec une soixantaine de sites, je pense qu'il va y avoir moyen d'avoir une bonne quantité de jeux à tester. Et je pense qu'il y aura de très bonnes choses dans le lot. D'autant plus qu'ici, on n'est que étudiants. Il y a aussi des professionnels qui ont décidé de se joindre à l'événement. Donc on peut s'attendre à des choses assez originales et assez sympas. La police japonaise a arrêté début février un jeune homme de 29 ans qui exerçait depuis quelques mois une espèce de chantage geek sur la société Hudson Soft. Déçu de la qualité des dernières productions de l'éditeur, et en particulier de la version téléphone portable du jeu Momotaru Densetsu, assez proche dans son concept du Monopoly, il a ainsi menacé à de multiples reprises par email de déposer une bombe capable de tuer l'ensemble des employés Hudson Soft. L'alternative proposée par le pseudo-terroriste geek, Hudson Soft dépose la somme de 80 trillions de yens, soit 80 milliards de yens, à la station JR Takamatsu. Raison de ces menaces invoquées par le jeune homme, il avait posté de nombreuses remarques sur les forums dédiés jeux de l'éditeur, et que ces derniers ne s'étaient pas améliorés. Bon, les menaces proférées semblent suffisamment ridicules pour ne pas posséder a priori de fondement réel. La menace à la bombe est certainement liée à la série Bomberman développée par l'éditeur japonais, et la somme d'argent demandée est si grotesque qu'on peut difficilement la prendre au sérieux. Mais par les temps qui courent, le joueur risque de payer au prix fort son humour de très mauvais goût et sa passion immodérée pour Momotaro Densetsu.
Donc là, nous allons passer aux critiques de jeu sur un RPG sur Xbox qui s'appelle Last Remnant, qui est un jeu très beau, vous verrez dans la critique. Moi, personnellement, c'est pas trop mon style, les RPG. J'attends plutôt Halo War et Biohazard qui sortent ces mois-ci et dont je pense vous serez fan aussi. Bon. ...2008 n'a pas été une année de tout repos pour Square Enix. Si certains jeux de la société japonaise ont été plutôt bien reçus, à l'image de Crisis Core Final Fantasy VII ou encore de World Ends With You, d'autres n'ont pas connu la même réussite. On pense notamment à Infinite Undiscovery, qui s'est révélé être un RPG dans l'ensemble décevant, notamment à cause d'une narration poussive et d'une réalisation très moyenne. Pourtant, on attendait beaucoup du premier jeu de Square sur les consoles haute définition, même si le développement avait été en réalité confié à Tri-Ace. L'arrivée de The Last Remnant fin 2008 inquiétait donc grandement les amateurs de jeux de rôle, qui craignaient d'avoir à nouveau affaire à un raté sur Xbox 360. Néanmoins, si l'on avait observé de plus près ce qui a été fait en matière de RPG japonais sur la machine de Microsoft, on aurait pu légitimement être rassuré. Eternal Sonata, mais surtout Lost Odyssey, sont en effet autant de bons souvenirs pour les possesseurs de 360. Toute nouvelle licence développée cette fois-ci en interne, The Last Remnant se devait donc de redorer le blason de Square Enix. Il fallait prouver au public que le légendaire savoir-faire de l'éditeur n'avait pas disparu avec l'avènement des consoles HD. What in the hell? Dans le monde imaginaire de The Last Remnant, il existe des rémanences, sortes d'artefacts mystérieux pouvant prendre la forme d'objets, de bêtes ou encore de gemmes. Elles renferment tout un pouvoir démesuré qui, s'il avait été utilisé à bon escient, aurait pu servir à bien des égards aux différentes civilisations. Seulement voilà, après la découverte de ces rémanences, les différentes races qui cohabitaient jusqu'ici en paix commencèrent petit à petit à se déchirer pour se les approprier. De nombreux conflits éclatèrent alors inévitablement. Le scénario du jeu débute 1000 ans après ces événements ayant rompu l'équilibre du monde. The Last Remnant a fait le choix de plonger immédiatement le joueur au cœur de l'histoire via une cinématique dont Square a le secret. On y découvre le héros, Rush Sykes, vivant paisiblement avec sa sœur Irina sur une île reculée, loin de toute civilisation. Mais alors que leurs parents, deux célèbres scientifiques, communiquent avec eux via un système d'hologramme, les enfants sont brusquement attaqués. Irina est enlevée par de mystérieuses bêtes dont Rush a bien du mal à se défaire. Dans un élan de colère, le jeune homme parvient tout de même à se sortir de la situation, mais sa sœur a disparu. Défait, il décide évidemment de partir à sa recherche. C'est au cours de sa quête qu'il se retrouve mêlé à une gigantesque bataille opposant deux camps, dont celui conduit par David, le marquis de la ville d'Aslum. Après avoir combattu auprès de cet homme puissant, Rush parvient à s'en faire un allié. Un allié précieux dans sa lutte contre les forces maléfiques auxquelles il devra faire face. Tel est donc le postulat de départ simpliste de The Last Remnant. Mais l'intrigue s'étoffe au fil de l'aventure. Rush va petit à petit se rendre compte qu'il est mêlé à un complot d'ordre mondial mené par Alondit, un être très puissant qui semble avoir un lien avec notre héros. La recherche d'Irina n'est donc pour Rush que le point de départ d'une aventure qui va l'amener à se poser des questions sur le fonctionnement du monde et plus particulièrement sur l'utilisation des rémanences. Il va ainsi devoir se battre afin d'éviter que ces dernières ne tombent entre de mauvaises mains. En apparence, The Last Remnant se présente comme un RPG assez classique. Le système de progression proposé est on ne peut plus classique. On se balade dans les villes, qui sont d'ailleurs assez nombreuses, on parle à tout un tas de personnages, puis on va se battre. Les combats prennent place dans des environnements plus ou moins communs, comme un désert ou une grotte. On a aussi des donjons qui réclameront, eux, un peu plus de temps aux joueurs car ils sont souvent plus vastes que les autres lieux visités. Bien entendu, comme dans tout bon RPG, on peut à la fois suivre l'aventure principale et participer à nombre de quêtes annexes. Celles-ci peuvent être de nature différente. On a les missions confiées par des personnages s'adressant à Rush directement, un peu comme dans un MMO. On les trouve la plupart du temps dans les tavernes, lieu de passage inévitable pour tout bon aventurier.
Suite à la discussion, le joueur doit alors se rendre immédiatement à l'endroit indiqué par la personne afin de trouver un objet ou d'éliminer un monstre particulier. D'autres quêtes sont proposées, comme les missions de guilde que l'on peut qualifier de passives. Elles sont consultables lorsque l'on parle au maître de guilde. Ces quêtes demandent par exemple au joueur de tuer 10 monstres de tel type, mais il n'a aucune obligation de les réaliser sur le moment. On terminera d'ailleurs plusieurs de ces quêtes sans y prêter attention, en essayant tout simplement de terminer la quête principale. Dans les villes, qui sont souvent partagées en 4 ou 5 quartiers distincts, on trouve bien entendu tout un tas de commerces. Certains proposent des armes, d'autres des objets de diverses natures. Mais le plus intéressant reste le magasin dans lequel on peut améliorer son équipement, voire même créer des armes. Pour ce faire, il faut récupérer divers items sur les cadavres des monstres que l'on aura éliminés. Ou alors chercher dans les différents endroits visités des métaux rares grâce à Joe la Fouille. Ce petit robot qui accompagne le joueur tout au long de l'aventure aura pour seule utilité de creuser afin de trouver ses éléments indispensables pour faire évoluer son équipement. Si tout cela reste finalement assez classique, The Last Remnant se démarque avant tout des autres productions Square Enix et de la concurrence grâce à un système de combat très particulier. Contrairement à ce qui est en vigueur dans la plupart des RPG, lors des combats, on ne contrôle pas les unités une par une. Non, cette fois-ci, on devra diriger des unions regroupant de 1 à 5 personnages que l'on aura choisis au préalable. Car, et c'est là que le gameplay est très subtil, c'est le joueur qui décide de la composition de chaque groupe. Tout l'intérêt est alors d'étudier le profil de chaque personnage afin de former la meilleure association possible. Il faudra par exemple veiller à ce qu'une des unités ait des connaissances en soins afin de pouvoir soulager l'équipe en cas de problème. De même, il faudra prêter attention au fait que certains seront plus forts au corps à corps alors que d'autres seront plus à l'aise à distance. Mais pour avoir un large choix au niveau des éléments composant ces équipes, il faudra avant toute chose recruter ses futurs alliés. On peut en effet choisir entre des dizaines et des dizaines de personnages possédant tous des capacités différentes. Il faut aussi savoir que dans chaque groupe, on a le droit à 2 chefs, soit 2 personnages importants et souvent très puissants, ainsi qu'à 3 unités de base. Au cours de l'aventure, le nombre de personnages que l'on pourra recruter et donc le nombre d'équipes à former augmenteront régulièrement. Au bout d'un moment, le joueur pourra composer jusqu'à 5 équipes différentes. Pour ce qui est des combats en eux-mêmes, il est important de noter qu'il n'y a pas d'affrontement aléatoire. Les ennemis sont visibles sur la carte et on peut donc choisir de les combattre directement ou de les contourner. Pour engager un combat, le joueur doit presser la gâchette gauche, ce qui a pour conséquence de déclencher l'apparition d'une sorte de cercle. Tous les ennemis pris dans celui-ci seront les adversaires du joueur lors du combat. On peut ainsi choisir d'en affronter un seul ou plusieurs à la fois. Un peu comme dans Blue Dragon, une option permet aussi de figer le temps et de pouvoir affronter encore plus de monstres en même temps. Évidemment, le risque de perdre n'en sera que plus grand. Lors d'un combat, le joueur commande donc plusieurs unions en même temps. Chaque groupe partage ses points de vie et ses points d'action. Les personnages ne sont donc jamais dissociés. Lorsque la barre de vie est vide, on ne perd pas un élément de son groupe, mais bien la totalité de celui-ci. Sinon, lors de chaque tour, la marche à suivre est assez classique. On donne un ordre à chaque union qui peut être d'attaquer au corps à corps, d'utiliser la magie ou encore de booster certaines de ses caractéristiques comme la vitesse. Toutefois, après chaque tour, les options disponibles varient en fonction de l'évolution du combat mais aussi des capacités de chacun des personnages. Lorsque l'on est mal en point, on pourra par exemple décider de se soigner, ce qui se faisait automatiquement auparavant lorsque la santé de l'équipe atteignait son point critique. De même, si un affrontement s'éternise, il sera possible de déclencher la grosse attaque du héros Rush, ou encore de David, le marquis d'Aslum. Pour rompre avec la routine du tour par tour, on trouve aussi des QTE qui se déclenchent à la fin de certains coups. Il est alors possible d'appuyer sur le bon bouton pour accentuer les dégâts de ses offensives ou contre-attaquer suite à un mouvement de l'adversaire. Mais les combats comprennent également un aspect stratégique pour une autre raison. En effet, si à chaque tour on détermine l'action de ses troupes, on choisit également le groupe d'adversaires que l'on veut éliminer. Si le joueur peut avoir 5 équipes sous ses ordres, en face, on peut avoir 5, 6, 7 groupes d'ennemis regroupant 3 ou 4 monstres face à lui. En engageant le combat contre un groupe, on s'expose donc à des attaques des autres formations ennemies. Ces offensives peuvent intervenir par derrière ou par le flanc, ce qui multiplie les dommages. La barre de morale, située en haut de l'écran, permet d'avoir un aperçu général de l'état de ses troupes. Plus on subit d'attaques surprises et plus le moral baisse, ce qui a un effet désastreux sur la capacité de ses troupes à encaisser les attaques. Inversement, si l'on prend le dessus sur les adversaires, les coups portés par ces éléments sont beaucoup plus violents. Il faut donc veiller à ne pas trop exposer les équipes aux autres adversaires et savoir être patient afin de se livrer corps et âme dans l'affrontement. «
À la fin de chaque combat, tous les personnages voient bien évidemment leurs compétences renforcées. Mais contrairement aux autres RPG, il n'y a pas de niveau à proprement parler. Chacun gagne des points de vie, des points d'action, apprend de nouvelles compétences sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et si on peut consulter le profil de chacun des personnages à tout moment, on ne peut vraiment gérer qu'un seul d'entre eux dans sa totalité, le héros Rush. Du coup, seul son équipement est modifiable. Les autres personnages évolueront d'eux-mêmes, indépendamment du joueur. Ils réclameront ainsi les objets et autres armes qu'ils souhaitent équiper à la fin de chaque combat. Ce système est assez confus, mais on s'y habitue finalement assez vite. The Last Remnant est un RPG audacieux qui a le mérite de sortir des sentiers battus en proposant un gameplay profond. Tellement profond qu'il faut plusieurs heures de jeu pour en comprendre toutes les subtilités et utiliser à bon escient l'ensemble des paramètres rentrant en compte lors d'un combat. Cependant, il ne faut pas se le cacher, le jeu de Square Enix souffre de défauts qui le pénalisent fortement, à commencer par les problèmes liés à l'utilisation de l'Unreal Engine 3. On sent que les équipes de développement ont eu bien du mal à dompter ce moteur graphique. Outre les textures qui mettent parfois 5 secondes à s'afficher correctement au début de chaque scène, on est aussi vite désemparé face aux très nombreux temps de chargement et ralentissements qui ternissent l'aventure. Et ce, malgré l'installation du jeu sur le disque dur qui permet uniquement de réduire légèrement certains d'entre eux. On a également l'impression que tous les décors n'ont pas bénéficié de la même attention. Le désert paraît par exemple bien vide, tout comme les villes peuplées uniquement par quelques habitants. A l'inverse, certains environnements sont très beaux et les nombreuses cités possèdent toute leur propre identité visuelle. Globalement, la richesse de l'univers fait d'ailleurs plaisir à voir. Le scénario est lui aussi plutôt bien ficelé, mais ne s'apprécie réellement qu'après plusieurs heures de jeu. Le rythme de la narration est en effet assez inégal. Si dès le début du jeu, certains passages épiques permettent de rentrer dans le vif du sujet, on a souvent le droit à des phases de jeu plus lentes et nettement moins intéressantes. C'est un peu le même constat pour la difficulté. Certains donjons sont très abordables, alors que d'autres proposeront un challenge incroyablement relevé. On est donc bien content de pouvoir sauvegarder à tout moment du jeu. Pour ne rien gâcher à l'histoire, les voix américaines sont plutôt agréables et les compositions musicales de Sekito Tsuyoshi réussissent à renforcer le côté épique des combats. Au final, les joueurs les plus regardants sur l'aspect technique d'un jeu passeront logiquement leur chemin, et on ne peut que trop les comprendre. Les autres, ceux qui sauront malgré tout dépasser ces problèmes, seront récompensés par la découverte d'un gameplay profond et d'une aventure plus captivante qu'il n'y paraît au départ. It's triggered another collapse. Tout de suite, une nouvelle rubrique, Pixa, qui parle des BD et des dessins animés adaptés en jeux vidéo. Pour ma part, j'ai toujours aimé les jeux vidéo. BD, ça n'a pas été trop mon truc, mis à part les mangas. Dans mon enfance, ma mère m'empêchait de regarder des mangas parce qu'elle trouvait ça pas terrible, les dessins pas beaux. C'était pas beau pour une petite fille, pour la faire rêver et s'épanouir. Mais bon, je me rattrape bien. Dans les années 90, les jeux à licence étaient bien souvent des jeux de plateforme. Et dans les années 90, les jeux à licence Disney étaient bien souvent développés par Capcom. Ça tombe bien, DuckTales réunit ces deux facteurs. Picsou est un personnage créé non pas par Oncle Walt, mais par Carl Barks, un ancien animateur des studios Disney. Il a surtout participé à la création des comics tirés des cartoons du studio. On sait qu'il avait un petit fait pour Donald et toute sa famille, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il décida de l'agrandir. Carl Barks crée alors Picsou, un oncle avare très inspiré de Scrooge du roman A Christmas Carol de Charles Dickens. Au fil de ses aventures, Picsou partira à la recherche de nombreux trésors, et c'est avec ce genre d'histoire que sa popularité a grandi. Il aura même droit à sa propre série animée DuckTales, la bande à Picsou chez nous, un dessin animé dont est tiré le jeu DuckTales sur NES. Dès le début, le ton est donné, on tombe sur une version chiptune du générique. On retrouve Flagada Jones, Mamie Baba, Zaza, il y a aussi bien sûr les neveux triplés Riri, Fifi et Loulou, ainsi que les seconds rôles de la série qui viennent de temps à autre aider l'oncle Picsou, en lui fournissant une aide matérielle ou encore de précieux indices. Dans sa chasse au trésor, Picsou parcourra le globe afin de dénicher les raretés les plus précieuses pour compléter sa collection de joyaux et fétiches. Bref, tout ce qui peut agrandir sa fortune. Il ira même jusque sur la lune!
C'est donc un condensé d'aventures que nous propose de vivre le palmipède le plus riche du monde. De nombreux détails nous montrent à quel point les développeurs ont réussi à assimiler l'univers richissime de Picsou. Le score, par exemple, est en fait la valeur en dollars des objets ramassés. L'ambiance graphique colle parfaitement au titre. Tout est bien coloré et bien animé. Il faudrait quand même être sacrément exigeant pour en demander plus à une NES en 1990. Les mondes ne correspondent pas forcément aux épisodes de la série. Mais ce n'est pas très important, l'ambiance y est. Et on a l'impression de vivre une aventure inédite. Un des autres points forts du jeu sont ses magnifiques musiques. Hormis le générique, elles sont toutes originales et resteront longtemps dans les esprits de ceux qui se sont essayés à DuckTales. Aujourd'hui encore, on se surprend à siffloter le thème de la Lune ou de l'Himalaya. Ces musiques sont signées Sakaguchi Yoshihiro, qui a composé notamment les musiques mythiques de Mega Man 2. Le tout est dirigé par Inafune Keiji, à qui l'on doit la série Mega Man chez le même éditeur, et ça, c'est plutôt un gage de qualité. Même s'il était logique de voir débarquer Picsou dans un jeu de plateforme, il faut saluer l'effort fourni au niveau du gameplay pour lui donner ce côté unique. En effet, c'est la canne de Picsou qui change tout, elle devient un outil indispensable pour chercheurs de trésors. Elle permet d'éliminer des ennemis, de se protéger des zones épineuses, et en exécutant un swing, on pourra même faire valdinguer roches et coffres. Ce gameplay permet de donner de la crédibilité à l'adaptation. Elle garantit également un style de jeu de plateforme jamais vu auparavant. DuckTales bénéficie donc d'un excellent capital sympathie pour toutes ces raisons. Et lorsque l'on en parle à quelqu'un qui a déjà vécu cette aventure, il y aura sans doute une petite lueur de nostalgie au fond des yeux et un sourire béat au coin du bec. ですね、私がちっちゃい頃は、なんて言っても私は日本名でなんて言ったっけな、あれ、我が青春のアルカディア、これの大ファンだったんですね。あれは毎週火曜日に、放送されてたんですけども、一回も、見逃したことなく、なおかつしかもビデオに撮って、もう今実家に帰るとですね、今でも棚に全巻ビデオが、その当時のが残ってるんです。で、やはりもうクイーンエメラルダズになりたくて、何ですか、テープ、ポンポン作るテープがあるんですけど、あれを長くして切り裂いて、で、髪の毛、金髪の長いこうカツラみたいにして、で、しかも朝顔を巻く竿みたいのがあったんだけれども、それをもうサーベルのように使って、で、しかも私が当時飼っていた猫に顔まで引っかいてもらっちゃって傷を作ったんですね。っていうのも、やっぱり彼女のかっこいいところは、やっぱりこう眼帯してて、それで顔に傷がある、美しいところに顔が傷、美しい顔にこそある傷って、あそこがやっぱりね、ちょっとたまらないかなっていう感じで、今考えるとやっぱりシリーズは良かったなと思いますよ。Ah, Shinjuku, fameux quartier chaud de Tokyo. Ses échoppes, ses love hotels et ses ruelles sombres, mais aussi ses hordes de démons et son lot de massacres quotidiens. Dans l'univers d'une sympathique noirceur de Tokyo, Demon Campus, un groupe de jeunes adolescents combattant relâche les diables, Oni en japonais. Parmi eux, on trouve Hugh, mystérieux garçon taciturne, le fougueux Kiyoshi, qui est tout le contraire du premier, ou encore Aoi, la gentille cruche de service. Bien évidemment, comme tout bon lycéen chasseur de monstres qui se respecte, nos héros sont dotés de pouvoirs surhumains fort utiles dans ce genre de contexte. Ces attributs ne seront d'ailleurs pas de trop face au méchant de service, l'énigmatique et surpuissant Kozunu Tendo. De jeunes Tokyoïtes en uniforme scolaire partant oxyre de l'Oni à grands coups de Boken, de Kempo ou de Yaido, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'originalité n'est pas la caractéristique première de ce titre. Rien d'étonnant à cela, puisque la série, de son nom japonais Tokyo Majin Gakuen Kenpo Choto, est tirée d'une collection de RPG assez classique parue sur PlayStation 1 et 2. Cependant, cet animé est loin d'être exempt de qualité.
L'équipe aux commandes est composée d'artistes relativement anonymes, et pourtant la plastique de ce titre s'avère très séduisante. Ainsi, le design des personnages est d'une rare efficacité. L'animation n'est pas en reste et certaines séquences d'action frisent avec l'excellence. Bien que souffrant d'un classicisme à outrance, l'univers dépeint, mélange assez mature de gore et de shonen, dégage un charme certain. On décernera cependant un prix de mocheté à l'épisode 14 de cette première saison. Graphiquement, celui-ci est absolument ignoble et sent à plein nez le travail bâclé fait à la va-vite par sous-traitance. Tokyo Demon Campus fait partie de ces séries que l'on regarde vite et que l'on oublie vite, mais qui en fin de compte nous auront fait passer un agréable moment. Et après tout, c'est bien tout ce qu'on leur demande. Petite remarque pour conclure, cette édition parue chez Kaze Animation ne propose que la version japonaise et donc aucun doublage français. À bon entendeur. ということで今日の番組、いかがでしたでしょうか。司会満足していただけましたでしょうか。皆さんとはね明日、1月の7日、土曜日の12時お昼12時半から、パリ漫画で、ライブをしますのでぜひみんな来てください。 Donc samedi 7 février à 12h30 Voilà, on espère vous voir nombreux pour nous applaudir et puis pour cette convention qui parlera des jeux vidéo, du manga et de tout ce que vous aimez. Ciao, à samedi.